Général Vincent Desportes, bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement professeur associé à Sciences Po Paris, après avoir dirigé l'école de guerre. Vladimir Poutine a décrété ce matin la mobilisation des réservistes russes pour le front ukrainien. Une mobilisation partielle censée appuyer, selon le président russe, les démarches de référendum annoncées hier par Moscou dans les provinces de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijja. Les scrutins doivent se tenir du 23 au 27 septembre. Le président russe qui a précisé une nouvelle fois que son pays était prêt à utiliser toutes les armes à sa disposition, notamment le nucléaire, on y reviendra tout à l'heure, général Desportes. Quelle lecture faites-vous de cette prise de parole du président russe que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a présenté tout à l'heure comme, je cite, un nouveau signe du désarroi de Vladimir Poutine? Il y a énormément de choses dans cette déclaration. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été à la fois attendue, redoutée et qu'elle marque une escalade certaine dans le conflit. C'est une déclaration qui s'adresse principalement à la population russe, mais également, évidemment, aux puissances occidentales dont le président Poutine a l'impression qu'elles sont en guerre contre lui. Donc on a un message qui est un message de fermeté et un message qui va viser d'une part à faire peur, parce que le président Poutine doit gagner du temps. Il faut qu'il gagne un mois avant que l'hiver n'arrive et ne fige les manœuvres. Oui. Et il espère qu'à la fin de l'hiver, ses troupes pourront éventuellement reprendre le combat. Donc il faut qu'il fasse peur. Il mise sur l'effondrement des opinions publiques occidentales, d'une part par le froid avec le manque d'énergie et d'autre part par la peur. Et de l'autre côté, il s'adresse à sa propre population en disant « on est en train de chercher à nous détruire, à nous démanteler comme on l'a fait à partir de 91 et on a menacé d'utiliser les armes nucléaires contre nous. Nous n'avons donc qu'une solution, nous défendre et donc je déclare la mobilisation partielle ». Voilà comment il faut lire ce discours. Est-ce que vous parleriez, général, de fuite en avant ? Alors, oui, bien sûr, si vous voulez, on peut dire fuite en avant, on peut dire qu'il est dans une impasse et qu'il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution, il faut absolument qu'il gagne du temps. Donc il va gagner du temps, je l'ai dit, et en particulier en repoussant de 300 km vers l'ouest la ligne rouge qui est la frontière entre l'Ukraine et la Russie. À partir du moment où ces faux référendums auront eu lieu, on en connaît évidemment déjà le résultat, alors il pourra toujours dire « attention, vous attaquez mon propre pays, oui, puisque c'est devenu la Russie, et donc je peux utiliser les armes les plus destructrices pour vous empêcher de le faire ». Alors c'est la première fois, général Desportes, depuis la chute de l'Union soviétique, que la Russie décrète une mobilisation de citoyens russes. On estime que 300 000 personnes seront concernées. Est-ce que cet apport est en mesure de changer la donne sur le terrain après le succès de la contre-offensive ukrainienne ces derniers jours ? La réponse c'est oui et non. C'est oui à terme. Hein, c'est 300 000 hommes. Une armée, ce n'est pas des soldats qu'on lève brutalement. Une armée, c'est des soldats qu'on va entraîner et armer. Et donc, avant qu'ils soient entraînés, avant qu'ils constituent des forces capables d'aller au combat, il va se passer des mois. C'est pour ça qu'elles seront prêtes au plus tôt, au début du printemps. Et puis, ce sont des soldats qui sont armés. Or, aujourd'hui, on sait bien que pour des raisons d'usure du combat, il a perdu plus de mille chars, mais pour des raisons aussi d'embargo sur des composants électroniques, Poutine a beaucoup de mal à équiper son armée. Donc elles seront peut-être utilisables à partir du printemps, et donc il faut qu'il gagne absolument ce mois dont je vous parlais. Je vous rappelle qu'il a engagé dans les derniers 15 jours un corps d'armée, le troisième qui avait été monté à la hâte, et qui semble avoir été laminé parce qu'il n'avait pas pris le temps de l'entraîner et de le structurer. Donc il n'est pas possible pour lui, compte tenu du temps que va prendre la mobilisation et de l'incompressible temps de formation, qu'il puisse utiliser ses troupes avant le printemps. Général Vincent Desportes, vous évoquiez tout à l'heure la visée interne du discours de Vladimir Poutine. Est-ce que cette mobilisation peut faire évoluer la perception de la guerre, de cette opération spéciale, comme l'appellent les Russes, au sein des foyers russes, justement ?
Alors, écoutez, c'est tout le pari de Vladimir Poutine hein, qui dit on nous attaque, on va refaire la grande guerre patriotique, on va défendre. Mais on sait déjà, d'abord, que les Russes fuient la Russie. Hein, tous les vols quittant Moscou aujourd'hui ont été pris d'assaut ce matin et les prix ont quintuplé, décuplé. Et donc, les Russes fuient, donc il n'y a pas d'adhésion. Et d'autre part, les réseaux sociaux annoncent que se tiendra ce soir dans la majorité des grandes villes russes des manifestations contre cette mobilisation. On voit donc que c'est un pari risqué, c'est un pari qui n'est pas gagné. Alors l'autre signal de l'escalade, c'est cette nouvelle référence entendue déjà au début du conflit en fin février et mars sur la possibilité de faire usage du nucléaire si l'intégrité territoriale du pays et de ses extensions désormais attendues était menacée. On parle là, général, des portes d'armes nucléaires tactiques. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Ça signifie que pour la première fois depuis Nagasaki, le 9 août 1945, on utiliserait des armes. Mais ce que ça signifie surtout, c'est que ça change la grammaire de la guerre. Pour l'instant, les armes atomiques étaient considérées comme des armes défensives par dissuasion. Et là, on voit au contraire qu'elles seraient mises au profit d'une manœuvre impérialiste, comme l'a fort bien dit hier le président Macron. Et donc, ça change totalement la donne. Et donc, c'est quelque chose qui devrait inciter un certain nombre de pays qui ont des différends avec leurs voisins à se doter de l'arme atomique et à rentrer dans des démarches colonialistes. Et donc, ça changerait très profondément la nature de l'arme nucléaire par elle-même, qui passerait de défensive à offensive par nature, et ce qui engendrerait probablement des conflits extrêmement dangereux dans le monde entier dans les années à venir. Quelle réponse militaire, diplomatique, économique l'Europe peut-elle apporter à ces déclarations et à ces décisions de Vladimir Poutine, général Desportes ? Ben, écoutez, aucune. La seule chose que l'on puisse faire, c'est être ferme. On écoutera, je ne les ai pas entendues encore, les déclarations du président Zelensky. On écoutera tout à l'heure les déclarations du président Biden à l'ONU. On verra ce qu'ils diront. Mais en tout cas, nous ne pouvons qu'être fermes. Que voulez-vous ? L'important pour nous, c'est de continuer à être ferme et de surtout ne pas monter dans cette escalade. Ne pas monter, refuser nous-mêmes l'escalade, mais continuer notre soutien à l'Ukraine. Comme le dit fort justement le président Macron, nous ne pouvons pas laisser le président Poutine gagner. Et en même temps, nous ne devons pas porter la guerre sur son territoire. C'est une voie très étroite. La guerre n'a jamais été facile, hein, la diplomatie n'a jamais été facile. Et ce sera d'autant plus étroit que les terrains sur lesquels on combat aujourd'hui pourraient dans quelques jours être, selon un droit russe qui n'existe pas, qui n'a aucune légitimité internationale, devenir des territoires russes. Donc on voit que l'exercice d'équilibre est extrêmement compliqué. Général Vincent Desportes, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris après avoir dirigé l'école de guerre. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi à vous. Oui, bon après-midi.